Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver avec cette guidance spontanée, intuitive. J'ai un message pour toi. Un message doit passer ce soir et vous le savez que quand cette puissance en fait me guide à vous apporter ces messages, il y a certainement quelqu'un d'entre vous qui a besoin d'entendre certaines choses. Je suis la guérisseuse. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aussi consulter mon site web sous lequel vous ne pouvez pas réserver, mais vous y trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin. Alors ce soir, j'ai un message pour toi. On va découvrir ensemble quels sont ces messages qui doivent vous parvenir. Je vous demande de faire preuve de discernement. Ces messages ne parleront pas à tout le monde. Pour quelqu'un, la guidance parlera entièrement. Pour d'autres, il y aura peut-être juste deux ou trois petites choses par-ci, par-là, qui vous feront du bien d'entendre, qui vous aideront en tout cas aussi à réfléchir, à prendre conscience, et certainement des petits conseils qui vont pouvoir vous aider. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, je vais commencer cette guidance avec l'oracle de l'âme intuitive. Et on va commencer pour voir quels sont les messages qui doivent vous parvenir. Je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Je tenais à vous rappeler aussi que demain, 14h, il y aura un live questions-réponses. Donc, vous me posez une question et je vous répondrai. Donc, rendez-vous demain à 14h. Alors, nous avons ici la bonne sœur avec une énergie du numéro 13, donc composée du 1 et du 2. Le 1 parle de commencement, parle de nouveau départ, parle d'unité, va parler aussi des créations, va parler sur le plan spirituel de la connexion avec la source et la conscience supérieure. D'accord? Il y a un nouveau départ. Le 2 va parler de conflit intérieur ou avec quelqu'un. C'est aussi l'équilibre, c'est aussi le partenariat, le couple. C'est l'harmonie et la dualité. D'accord? Il y a la polarité masculine et féminine. Il y a le jour et la nuit. C'est aussi le yin et le yang. Donc, voyez, le soleil et la lune, hein, l'opposé de l'autre. Avec le numéro 3, c'est la trinité. Passé, présent, futur, qui parle aussi de communication. Il parle de créativité, d'expression. Qu'est-ce qui peut vous amener à un épanouissement? Donc, je pense aussi que pour certains d'entre vous, je m'en remets à l'univers. Il y a peut-être des personnes qui ont fait dans d'autres vies, comment dire, vœux de chasteté, de pauvreté. Et donc, c'est peut-être ça pour certains d'entre vous, ce conflit intérieur. Hein? Peut-être que certains se disent, vu que rien ne va, c'est que je ne mérite pas, en tout cas, d'avoir une relation amoureuse. Je ne mérite peut-être pas aussi d'être riche dans l'abondance, que sais-je. Il est question pour certains, du coup, de travailler cette... de travailler vraiment les, comment dire, quelque chose des vies intérieures. Bien sûr que ce n'est pas question pour tout le monde de ces vies intérieures, d'accord? Mais clairement, on va vous demander de travailler, en fait, de vous défaire aussi peut-être de certaines limitations que vous vous posez, certaines croyances que vous avez, hein, que vous ne méritez pas. Et oui, bah en tout cas, il est temps aussi que vous vous défaites de ces vœux de cette vie intérieure. Il y a un peu de karmique pour quelqu'un de vous, hein. Donc, je pense que voilà, il y a une abnégation, hein, de solitude, de pauvreté, de chasteté qui a un lien certainement pour certains d'entre vous avec quelque chose de karmique que vous pouvez nettoyer, d'accord? Si par contre, vous restez sur le général... Là, il est question peut-être d'accepter que vous méritez. Peut-être que la vie, avec ses épreuves, vous a fait tomber dans des pensées qui ne vous valorisent plus, d'accord? Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'en fait, vous vivez des difficultés et que quelqu'un aussi, peut-être, vous a toujours rabaissé et que donc aujourd'hui, pour vous, c'est normal de ne pas obtenir quelque chose. Ok, donc ça se travaille, mes chers amis. Et d'ailleurs, vous devez le travailler parce que vous méritez, d'accord? Vous méritez, donc valorisez-vous. Ok, on va continuer avec l'oracle intuitif. Donc, je pense que les messages qui passent sont déjà assez forts. Non, s'il vous plaît. Ils sont déjà assez forts. De toute façon, ces guidances que viennent spontanément ont toujours un but.
Hein, et c'est peut-être quelqu'un qui viendra sur cette guidance par hasard et que donc se reconnaîtra. C'est une guidance intemporelle. Je vais y mettre l'intemporalité, comme ça elle pourra vous aider à n'importe quel moment. Vous y tomberez dessus, même par hasard, dans quelques semaines et dans quelques mois. Allez, s'il vous plaît. Ça veut énormément parler, hein. C'est bien ce que je craignais, mais ce soir je veux procéder avec une carte de chaque oracle parce que j'en ai pris plusieurs. Alors, là voilà, elle est arrivée, elle s'est même envolée. Et bien, vous voyez que je retrouve avec le bonheur simple, je retrouve la conflictualité, la dualité, un conflit intérieur avec quelqu'un, un équilibre à retrouver. Et voyez que le nouveau départ, il est là, il est tout proche. Il faut que vous vous autorisez ces petits bonheurs. Hein? Ben, je reste sous qu'est-ce que je vous ai dit. Hein? Ici, il y a quelqu'un certainement, ou par du karmique, ou par des épreuves, hein, qui a abandonné l'idée de mériter. Et pourtant, vous le méritez, mes chers amis. Donc, vous devez y travailler. Parce que ces bonheurs simples vous permettront certainement de surmonter ces fausses croyances sous vous-même. Hein. Il est question pour certains d'entre vous, peut-être tout simplement, voilà, d'en vouloir un peu trop. Ok, d'accord, la vie vous a marqué. Peut-être que maintenant, vous êtes trop exigeant. Mais non, non. Contentez-vous, en tout cas, de ramener dans votre vie la richesse, l'abondance, d'y croire, de l'attirer. Et vous verrez que tout va devenir plus réconfortant. Je pense que pour certains d'entre vous, il est question, parce que vous voyez que les messages peuvent être multiples, d'accord? Il y a peut-être des personnes ici qui vivent à 100 à l'heure. Donc, ils ont tendance, on va dire, à s'oublier et à oublier qu'est-ce qui les entoure. De là, ces petits bonheurs, la famille, les amis, aller boire le petit café, se faire plaisir, se faire du bien, peut-être éventuellement parce que vous devez surmonter des difficultés. Donc, vous êtes trop imprégné de cela et vous faites de tout pour vous en sortir. Donc, vous travaillez doublement, voilà. Mais en même temps, vous oubliez que la vie est faite aussi de ces petits bonheurs. Les messages peuvent être très variants, donc vous prendrez vraiment qu'est-ce que peut vous aider. Il y a certainement plusieurs messages qui vont ressortir, mais en tout cas, il y a des bonheurs qui sont simples, que vous méritez, donc valorisez cette simplicité. Peut-être qu'il est question pour d'autres, tout simplement, que voilà, vous donnez l'impression de vous donner à 200% pour vous reconstruire, pour retrouver une vie normale, mais finalement, c'est juste une impression, parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en souffrance. D'accord? Alors, il est vraiment temps, je pense, de travailler sur vous pour pouvoir voir et vous rendre compte qu'il y a des choses toutes petites autour de vous qui sont d'une grande importance et qui pourraient vous redonner, en tout cas, beaucoup, beaucoup de satisfaction. Moi, j'ai vraiment le pressentiment ici qu'il y a des personnes qui ont subi, peut-être que voilà, on vous l'a fait subir et vous n'y croyez plus. En fait, vous avez plein de choses autour de vous qui pourraient vous redonner cette force pour pouvoir vous remettre debout, mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes enfermé, en tout cas dans cette souffrance qui vous a mis dans un grand conflit. Il y a un déséquilibre ici, intérieur. Mais rien n'est impossible, tout se surmonte, vous savez. Donc, équilibré. Comme je vous disais, il y a toujours deux polarités. Hein? Jour, nuit, masculin, féminin, soleil, la lune, tristesse, bonheur. Trouvez l'équilibre. Et si c'est un lien parce que vous avez subi et que ces subisseux, ils n'y sont plus, laissez partir. D'accord? Si c'est karmique, ça se travaille. Si vous n'en connaissez pas la cause, on peut aller la chercher. Ok. Pour d'autres, peut-être que vous faites semblant d'aller bien. Et ce n'est pas le cas, parce que vous n'y croyez pas mériter. Or, c'est faux, vous le méritez. Et pour d'autres, il y a tout simplement en fait une vie qui est trop active et vous êtes en train de vous perdre ce qui pourrait amener à ce conflit intérieur ou un conflit dans une relation. Hein? Donc là, pour certains, ça peut être bien un bel avertissement. Regardez tout ce que vous avez auprès de vous, les personnes, c'est qu'est-ce qui vous permettra d'éviter peut-être le conflit. Ok, donc, tout ça, c'est pris. Allez, on va prendre le Light Circe Tarot. Light Circe Tarot, j'ai un message pour toi. Message intemporel, intuitif. Intemporel, s'il vous plaît, quel est le message pour nos amis? Eh bien, le 6 d'épée. Ce 6 d'épée est renversé. Bien.
Ce qui veut dire qu'il y a des difficultés à laisser le passé derrière soi, qu'on est bloqué dans une transformation, dans une transition, on ne veut pas accepter. En fait, tout simplement, vous ne voulez pas partir. D'accord? Vous ne voulez pas vous en aller, vous ne voulez pas laisser partir. Alors, ça peut être un lien avec une relation, ça peut être un lien avec des situations que vous avez déjà vécues et que vous vivez, mais il y a du mal à s'en détacher. D'accord? Alors, si par contre tout cela, ça résonne avec vous, mais que vous n'en comprenez pas pourquoi vous n'y arrivez pas, il est peut-être question de karmique, certes, pour certains d'entre vous. Donc, c'est vraiment une situation karmique que vous devez vivre, mais ça se travaille, ça se surmonte, bien sûr. Je pense que certains d'entre vous doivent accepter toujours que le passé doit s'en aller, que s'il est déjà parti, il faut avancer et le laisser derrière. Mais je pense qu'il faut surtout, pour certains d'entre vous, trouver le courage de partir, d'accord? Trouver ce courage de croire qu'on mérite, donc de se revaloriser à nouveau. Et puis surtout de ne plus se laisser retenir par vos émotions, par votre passé, par qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez subi, peut-être aussi par votre propre victimisation. Donc je pense que vous devez, pour certains d'entre vous, laisser partir quelque chose. Ce quelque chose qui vous empêche de vous évanouir. Il faut couper court. Hein? Le moment est venu pour certains d'entre vous de tourner des pages. Parce que ça doit être des événements pour certains qui sont passés, mais qui sont encore douloureux. Et peut-être pour d'autres, il y a cette décision à prendre de mettre fin à cette situation une bonne fois pour toutes. Mais le courage vous manque parce que on veut peut-être assez répéter que vous ne méritez pas mieux, par exemple. Et parce que si vous partez, vous ne trouverez rien d'autre, que vous vous en sortirez pas. Et de là que certains n'osent pas. C'est faux. Hein? Si vous êtes pas bien dans une relation, il faut s'en aller. Le bonheur n'a pas de prix. Et il dépend aussi de vous. Parce que si vous écoutez que ce que les autres y vous disent, c'est sûr que vous n'en ferez jamais rien, mes chers amis. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas bien dans une situation ou dans une relation, s'il y a ce mal-être dans ce que vous vivez, il est certainement pour certains d'entre vous de faire ses valises et s'en aller. Si c'est un lien avec un passé, il est temps de le laisser partir. Si c'est trop difficile pour vous, il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider. D'accord? Donc, n'hésitez pas, vous pouvez faire appel aussi à moi. On peut aller chercher qu'est-ce que c'est qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est qui, en tout cas, vous empêche de vous épanouir. Bien, nous avons l'as de denier. L'as de denier, je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Rien n'est perdu, mes chers amis. Donc, quand même, vous avez du mal à vous éloigner de quelqu'un, quand même, vous avez du mal à partir d'une situation, d'une relation, voyez que vous allez être récompensé. On va vous parler encore d'un nouveau départ que nous voyons depuis le départ. Hein. Un nouveau départ qui vous promet, en tout cas, un nouveau cycle et qui vous promet certainement plus d'abondance, plus de réussite. Et aussi, vous serez peut-être visible. J'ai le sentiment que quelqu'un est devenu pratiquement fantomatique, d'accord? Parce que, voilà, on vous a peut-être toujours dit que vous étiez incapable, que vous n'oserez jamais. Ça peut être tellement de choses, mais finalement, c'est faux. Visualisez vraiment quelque chose de mieux pour vous, que vous méritez le bonheur. Faites de petites choses, mais que vous le méritez. Je pense que vous devez prendre conscience que votre vie peut changer. Si vous croyez en vous, donc il y a un manque de confiance ici, on s'est abandonné à cette idée qu'on ne mérite pas, d'accord? On ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment, mais peut-être ça vous a été aussi mis dans la tête par d'autres personnes qui vous ont toujours, en tout cas, humilié, soumis, dit des choses pas cool, d'accord? Là, on va vous promettre un nouveau départ, une abondance, une prospérité, une réussite, vous allez vous sentir en sécurité, une nouvelle carrière, vraiment beaucoup d'opportunités et vous serez récompensé. Alors, croyez en vous, ayez le courage de travailler sur certaines épreuves, blessures que vous avez, soit un karmique, ou alors pour quitter une situation, une relation. Pour moi, il est temps pour certains d'entre vous de laisser partir ou de s'en aller. Mais de toute façon, on s'en va aussi d'un passé. On le laisse et nous, on avance, d'accord? Le passé reste derrière. Il est temps d'avancer, mes chers amis. C'est cet avancement qui vous permettra de vous épanouir et d'apprendre aussi à vous rendre compte que vous valez, que vous êtes important, que vous pouvez apporter beaucoup, que vous méritez aussi.
D'accord? C'est ça aussi qui est très important que vous devez comprendre. On va continuer avec l'oracle des déesses. L'oracle des déesses. Des beaux messages. C'est toujours là pour vous encourager, pour que vous preniez conscience de qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous, de qu'est-ce que vous méritez et qu'est-ce que vous devez laisser partir. Parce que parfois, il y a des personnes qui restent dans des situations très compliquées parce que croient qu'ils ne méritent pas mieux, croient qu'ils ne pourront jamais s'en sortir et c'est faux. C'est vraiment faux. Bon, j'en ai deux, on va les prendre, écoutez, hein. Le plein d'eau, vous avez besoin de vous ressourcer. Passez du temps près d'un plein d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Des forces qui vous amèneront peut-être à déménager vers un plein d'eau, plus près de l'océan, de la mer, dans un endroit en tout cas où vous pourriez vous ressourcer, où vous pourriez vous sentir mieux, voyez, donc vous valoriser. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin peut-être, voilà, d'aller vers un endroit calme, serein, ce qui vous permettra de comprendre que, ben, effectivement, vous valez, que vous méritez mieux, que vous avez plein de petites choses importantes autour de vous, surtout pour ces personnes qui s'abandonnent peut-être à un travail acharné pour surmonter des difficultés. Ne laissez pas votre famille, ne vous éloignez pas de votre famille, voyez. Attendez-vous un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Croyez-y, il y a un miracle. Priez, ayez la foi. Ne perdez jamais l'espoir. La Vierge Marie est près de vous. Demandez à Marie, notre mère, notre sainte mère, de vous aider à croire en vous, d'avoir le courage de quitter cette situation, ce passé, hein, peut-être aussi tout simplement ces vilaines idées qu'on s'est mis en tête, qu'on n'y arrive pas. C'est faux, vous êtes capable de beaucoup. Et sainte Marie vous protège, vous enveloppe de son amour. Donc priez, ayez foi en elle et votre rêve va être exaucé. Mais si par contre, pour que votre rêve soit exaucé, pour que ce miracle se produise, vous devez laisser partir quelqu'un. Alors où vous devez partir, vraiment déménager, vous en aller, voire vous devez prendre plus de temps pour vous, vos êtres chers, hein, portez plus attention au lieu que de vous acharner pour arriver à un objectif, quelque chose, en délaissant tout le reste. Voir, et c'est qu'est-ce que je pense qui peine le plus dans cette guidance, il y a peut-être aussi des situations passées qui n'ont pas de réponse. Un passé qui était peut-être lourd pour certains d'entre vous, il est temps de le laisser derrière. Il n'y est plus ce passé. Ne lui laissez pas le pouvoir. Ayez cette foi et priez parce que vous allez être entendu. Un miracle va se produire. Attendez-vous un miracle. La Vierge Marie est là. Regardez comme elle est belle cette image. C'est très beau, hein? Si c'est karmique, travaillez-y. Demandez à Marie aussi de vous défaire de ses liens. C'est très beau. Très beau. On va voir avec l'oracle des talents révélés. Quel est ce talent qui pourrait vous aider? Vous avez des grands talents innés en vous. Hein? Tout le monde a des capacités. Tout le monde a les outils en soi pour se libérer, pour construire. Et oui, l'aigle. La concentration, la sagesse, la focalisation. Focalisez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vous, sur votre bonheur, sur qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie, sur comment vous voulez vivre, déployer ces merveilleuses ailes. Regardez de l'eau, de haut, voyez. L'aigle regarde de haut et comment dire, il se focalise sur sa proie pour pouvoir mieux l'attraper. Soyez vraiment aussi haut et regardez du haut tout ce que vous avez déjà surmonté. D'accord? Et regardez surtout qu'en regardant Dieu, vous vous rendrez compte que vous êtes libre. Donc rien ne vous retient dans ce passé, dans qu'est-ce que vous avez vécu, comme rien ne vous retient dans cette situation qui vous fait souffrir. Prenez votre envol, focalisez-vous sur vous, concentrez-vous sur vous. Ayez cette sagesse pour vous. Prenez conscience. Concentrez-vous sous vos désirs, sous votre bien-être, sous votre santé, hein, sous qu'est-ce que vous pouvez apporter à d'autres personnes.
Il est temps que vous vous élevez et que d'en haut, vous regardez en bas. C'est qu'est-ce que vous aidera à voir que vous avez su surmonter déjà beaucoup d'épreuves avec beaucoup de courage et que vous pouvez encore le faire. Vous pouvez toujours monter plus haut, donc vous pouvez toujours aller plus loin en laissant toujours derrière qui doit rester, qu'est-ce qui doit rester. Si ce n'est pas un passé, c'est peut-être des situations actuelles. Pour quelqu'un, je pense que pour trouver le bonheur, vous devez vous détacher et avancer, vous focaliser sur vous. D'accord, c'est très important. Le message d'Edès. C'est très beau comme message, n'est-ce pas? Ces messages ne sont jamais un hasard. Quelqu'un a peut-être besoin à être encouragé, à faire ce pas, à travailler sur un passé, sur des épreuves du passé, d'une enfance. Peut-être que quelqu'un a besoin de se sentir encouragé pour pouvoir quitter une situation. Ça peut être un travail aussi, d'accord, qui vous rend malheureux. Peut-être que quelqu'un a besoin de s'entendre dire que oui, j'ai traversé tellement de difficultés que ça ne sert à rien que je me concentre à ramener plus d'argent, autant que je passe un peu plus de temps avec mes enfants, ma femme, mon mari, ma famille. Je profite de ma maison parce que l'argent, oui, c'est important, mais ça ne fait pas tout parce qu'il y a quelqu'un aussi qui s'oublie là-dedans, qui oublie les personnes qui sont autour, les petites choses que vous avez construites, que vous avez réussies. Et après, ben, quand vous vous en rendez compte, ça peut être trop tard pour en profiter, voyez? Voyez comment cela peut résonner avec vous et comment cela peut vous aider. L'abondance et l'idylle. Voyez, il est temps que vous y croyiez à l'amour. Il y a une belle relation qui vous attend. Mais l'amour, c'est aussi la vie. Donc accrochez-vous, libérez-vous, laissez partir et partez. Vivez pleinement, soyez amoureux de vous-même, de la vie, de tous ces petits bonheurs, de respirer, de promener, de regarder la beauté de Gaïa. L'abondance vous attend. N'oubliez pas que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un nouveau départ, il y a une abondance. Ça peut être une problématique d'héritage ici. Ben, vous attardez pas sur les problèmes que vous avez pour défaire cet héritage. Concentrez-vous surtout sur les bons moments que vous avez partagés avec votre famille. Hein? Je vois des familles se déchirer pour de l'argent. Vous savez, quand on s'en ira, on n'emportera rien. Alors, concentrez-vous sur autre chose. Peut-être qu'il y a des personnes qui se rendent malades dans ce partage, dans ces problèmes familiaux. Pourquoi? Pourquoi? Une belle abondance vous attend. Un idylle vous attend. Une nouvelle relation amoureuse. Peut-être l'amour pour vous-même, cet amour que vous n'avez plus, cet amour que vous avez laissé de côté parce que bah, les gens vous ont fait croire que vous ne le méritez pas, parce que les gens vous ont fait croire que vous étiez en tout cas une personne qui ne mérite pas, que vous ne valez rien. C'est faux. C'est complètement faux. Je pense que de là-haut, il y a une grande protection. Nous l'avons vu avec la Vierge Marie. Donc, demandez. Demandez. Et si vous êtes en couple, essayez d'être plus dans le partage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez des conflits parce que vous êtes plus concentré sur vos propres problèmes, sur les problèmes de la vie quotidienne, concentrez-vous sur votre autre. C'est ce qui permettrait de sauver des relations. Peut-être que votre autre se sent abandonné, rejeté. Peut-être qu'il se fait des films, elle ou il, parce que vous vous éloignez. Mais peut-être que ça serait bien que vous lui expliquiez pourquoi. Voyez, ça permettrait de ne pas se faire des fausses idées, par exemple. Il y a clairement des personnes qui doivent surmonter des difficultés parce que vous vous concentrez trop sur les épreuves que vous vivez et sur la difficulté que nous avons aujourd'hui à vivre, à survivre. Donc il faut travailler plus. Il y a la tête, comme dire, qui est en ébullition parce qu'on se pose trop de questions, comme je vais faire pour tout payer. Concentrez-vous sur l'amour de vos êtres chers, de votre famille. Et puis les soucis, petit à petit, on trouve toujours des solutions. Pour ceux et celles qui sont en lien avec un passé, il est temps que ce passé, vous le laissez partir. Et d'autres, je pense qu'ils doivent vraiment se libérer d'une situation, d'une relation
qui est devenue trop pesante parce que cette situation, elle est en train de vous dévaloriser toujours plus. Donc, on s'abandonne, d'accord? Il n'y a plus d'effort pour certains. Et donc, forcément, que tout est noir autour de vous. Un déséquilibre total. Donc, pour retrouver cet équilibre, pour certains, il est temps de partir. Il est temps tout simplement de ne plus, en tout cas, se laisser retenir par ce passé, par cette situation, par ces personnes. Vous devez vous débloquer pour pouvoir transiter, vous transformer et transformer votre vie. Bien. On va finir. Non, on va pas finir, mais c'est l'oracle de Noé. L'oracle de Noé. Partage. Partagez à nouveau l'amour, mes chers amis. Si le passé vous a blessé, que vous avez eu des relations douloureuses, une relation douloureuse. Nous avons déjà l'idylle, hein, d'accord? Une grande richesse. Vous méritez d'être aimé et de continuer à aimer. Ce partage va vous permettre justement d'être à nouveau aimé, à nouveau choyé et de trouver à nouveau quelqu'un qui peut en tout cas vous serrer dans ses bras, vous faire sentir important, importante. Et puis partager pour ceux et celles qui se dédient trop à autre chose, voyez. Comme je vous disais tout à l'heure, partagez plus de temps avec vos enfants, avec votre autre, pourquoi pas. Donc vous vous adapterez encore une fois. Mais ce partage est très important, vous savez, parce qu'ici, je pense que vous êtes sensible, ça ne fait aucun doute, d'accord? Vous êtes sensible à qu'est-ce que vous avez vécu, à qu'est-ce que vous vivez, aux problèmes que vous pouvez rencontrer, aux questions que vous vous posez. Hein? Mais voilà, vous êtes une personne honnête. Vous êtes une personne, en tout cas, que ne faites pas faux semblant. Et ben, je pense que maintenant, il est temps, par contre, que vous soyez vrai avec vous-même aussi. Hein. Vous dire qu'effectivement, ce passé vous colle à la peau parce que vous n'avez pas les tripes pour pouvoir lui tenir tête, hein, le faire taire. Dans ce cas, faites-vous aider. Hein, de trop vous laisser prendre par vos valeurs, hein, par vos principes, vos responsabilités, ce qui fait peut-être qu'il met en danger certaines relations. On peut adapter ça de beaucoup, beaucoup de choses. Parfois, je dirais que la déception est peut-être trop grande, d'accord, hein, parce que qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a vécu, c'est pas qu'est-ce qu'on avait rêvé, qu'est-ce qu'on rêve, mais je pense qu'une partie de vous est vide ici, elle est incomplète, il y a un vide à combler, voyez, c'est pour ça qu'il faut partager, il faut se rouvrir à l'amour, il faut se rouvrir à l'amitié, il faut se rouvrir à trouver un job qui peut vous satisfaire. C'est pas vrai parce qu'on est maltraité sur un travail qu'on ne peut pas tomber sur un patron qui est bien, voyez, vous pouvez adapter de beaucoup de choses, hein. C'est vraiment question ici, je pense, de combler un vide. Il y a quelque chose qui vous retient, il faut que vous vous libérez et que vous comblez ce vide. Mais je pense aussi que pour certains d'entre vous, ça peut être l'amour de soi, voyez, un manque de, hein, une dévalorisation totale pour certains. Ouais. Ce partage, c'est aussi partager son amour propre, partager en fait l'autorespect. Ouais. Il y a quelqu'un que, voilà, se sent moins que rien, c'est peut-être parce que c'est qu'est-ce qu'on vous a toujours dit. Tout cela est faux. Aimez-vous. Estimez-vous. Aimez-vous vraiment. Parce que vous méritez d'être aimé et vous devez vous aimer pour être aimé. Donc il y a des fausses croyances qui doivent tomber aussi pour certains. On va finir avec un petit message. Cavalier de bâton. Alors je vais vous lire déjà le message et puis je vous dirai quelque chose sous le cavalier de bâton. Mes efforts ont porté leurs fruits. Ma tâche est accomplie. Qu'importe si je me sens épuisé ou satisfait. Si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais que je vaux. Enrichi par cette expérience, je suis prêt ou prête à réinventer dans une nouvelle dimension. Clairement, peu importe qu'est-ce qu'ils ont pensé de vous, qu'est-ce qu'ils pensent, ont pensé de vous les autres et qu'est-ce qu'ils peuvent continuer à penser. Peu importe comment vous vous êtes battu pour surmonter, comment vous allez vous battre. La question ici, ce n'est pas de gagner, ce n'est pas en tout cas de satisfaire quelqu'un, ni de leur point de vue. Ici, c'est votre point de vue. Que vous soyez dans cet amour pour vous-même, que vous vous valorisez, que vous vous focalisez sur vous, hein, d'accord? Que vous contrôlez votre vie. Hein? Si vous voulez que les choses bougent avec ce cavalier de bâton, le cavalier de bâton, les bâtons sont les éléments feu, d'accord? C'est l'action, l'énergie, la passion. Et bien, clairement, si vous voulez
retrouver la passion dans votre vie, d'une relation, d'un travail, d'un objectif, d'un respect pour vous-même, d'accord? Eh bien, il est temps que vous partagiez cet amour que vous avez pour vous-même et de le faire entrer aussi dans le domaine où quelque chose vous manque. Donc, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, peut-être des nouveaux rapports avec la famille. C'est tellement de choses. Si vous voulez que les choses bougent, parce que le cavalier parle de mouvement, de choses qui partent et qui viennent aussi, d'accord? Certains doivent partir, ne l'oubliez pas. Hein? Eh bien, si vous voulez que les choses bougent avec ce cavalier de bâton, il faut que vous ayez le courage. Il faut que vous soyez déterminé, il faut que vous ayez de l'ambition, il faut que vous croyiez en vous, il faut que vous vous estimez, que vous vous respectez, il faut aussi que vous ayez un peu de jugeote, d'accord? De vous rebeller et d'y aller, quoi, d'oser. L'impulsivité, voyez, cet élan que parfois peut faire peur parce qu'on fait les choses d'une manière trop pressante. Ici, quelqu'un doit retrouver cette force. Ici, quelqu'un doit retrouver ce courage. D'accord? Si vous voulez que ça bouge, il faut que vous retrouviez cette grande force qui est en vous. Cette force, elle est en vous, mes chers amis. Mais je ne sais pas pour quelle raison vous vous êtes laissé entraîner dans quelque chose qui vous a fait perdre complètement confiance en vous. Quelqu'un ne croit pas du tout en ses capacités. Quelqu'un est peut-être anéanti par des événements. Mais soyez un peu plus spontané. Allez à la poursuite de vos rêves, de vos objectifs, de ce que vous tient à cœur de réaliser. Passez à la vitesse supérieure. Trouvez le courage. Hein. Laissez-vous inspirer en fait pour les belles choses. Voilà les petites choses simples, la vie, les petits bonheurs d'un café à partager, d'être libre, de faire un voyage, d'aller voir quelqu'un. Peut-être que quelqu'un se sent aussi emprisonné s'il est dans une relation compliquée. Essayez vraiment, mes chers amis, de vous permettre de vous dire que vous méritez que qu'est-ce que le passé ou cette situation, ça s'arrête, stop. Je mérite le bonheur, je mérite l'amour, je mérite de me sentir vivant, vivante. Eh ben, c'est à vous par contre. C'est à vous d'avoir cette énergie, d'accord? C'est à vous en tout cas de magnétiser ce que vous désirez, hein? C'est à vous en tout cas de vous reconnecter à vos objectifs. Et d'aller aussi vite que possible pour l'attendre, parce que vous avez trop attendu. Dans la poursuite de vos rêves, en tout cas, mes chers amis, si vous voulez les réaliser, il va falloir oser. Il faut que vous croyiez en vous. Hein? Chassez vraiment qu'est-ce qui vous retient, que ce soit un passé ou une situation actuelle, des peurs peut-être. Hein? Ou alors, tout simplement, parce que vous avez des responsabilités, vous ne pouvez pas vous adhérer, peut-être à prendre, ça serait-ce que 5 minutes de votre temps pour vous dédier à aller boire un café avec une amie, un ami. Vous adapterez, on peut adapter cette guidance de beaucoup de manières. Certains doivent lever le pied sur ce qui est problématique au quotidien et faire attention au petit bonheur du quotidien, à votre propre famille, hein, pour ne pas la perdre, pour ne pas mettre des distances, et puis aussi pour vous faire du bien. D'autres, c'est le passé que vous devez travailler, d'autres, c'est peut-être une situation, des émotions présentes. Et il faut s'en détacher, il faut travailler cela, et c'est qu'est-ce qui vous permettra d'accomplir, d'avoir ce miracle. Attendez-vous un miracle, n'oubliez pas. Notre Sainte Mère, hein, la Vierge Marie, vous promet un miracle. Donc, ayez la foi, priez, parce que vos prières vont être entendues. Elles vont être exaucées. Et vous savez que cette carte, je veux vous la lire parce que les cartes de la déesse, elles sont fortes. Toutes les cartes sont fortes. Mais là, nous avons la Vierge Marie. Hein, c'est rare qu'elle sorte. Donc, j'ai vraiment envie de vous donner son message. Alors, attendez-vous un miracle, ayez foi en vos prières qui ont été entendues et qu'elles sont exaucées. La foi est la lumière qui illumine votre chemin. Sans la foi, l'avenir a des allumettes terrifiantes. C'est pourquoi il est essentiel que vous preniez toutes les mesures nécessaires afin que votre esprit et votre cœur soient toujours emplis de foi. Je vous en prie, n'abandonnez pas l'espoir pour vous-même et pour les autres. Entretenez la flamme de la foi de votre âme et
car cette petite parcelle d'espoir a le pouvoir d'éradiquer l'obscurité du désespoir. Soyez aussi la lumière qui illumine la lugubre désespérance d'autrui, car lorsque vous rendez les autres plus forts, cela non seulement vous renforce vous-même, mais aussi le monde entier. Quelques significations avec cette carte. Laissez aller les pensées qui provoquent des inquiétudes, voyez. Ayez des pensées positives, soyez attentifs à toute guidance divine que vous pourriez recevoir et suivez-la. Priez, engagez-vous sous la voie de la guérison spirituelle. À propos de Marie, Mère, elle est la bien-aimée Mère du Christ, que l'on connaît sous le nom de Reine des Anges, pour son œuvre de guérison continue et miraculeuse. Marie travaille en étroite collaboration auprès de quiconque se fait le défenseur des enfants. Auprès des enseignants ou des guérisseurs, elle aime les enfants et se consacre à la cause de la sécurité et du bonheur des enfants dans le monde. Si vous désirez aider les enfants, demandez à Mère Marie de vous assigner une mission divine. Vous adaptez tout cela, mes chers amis, mais ayez cette foi, voyez. Prenez du temps pour vous et surtout, ne visez pas toujours trop haut. Commencez vraiment pour goûter au simple bonheur de la vie quotidienne. Le fait de respirer un air pur, l'odeur de l'herbe à peine coupée, un bon café chaud, voyez. Ce sont des simples bonheurs d'une grande importance et d'une grande richesse. Laissez toujours partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Éloignez-vous toujours de qu'est-ce qui est toxique pour vous. Vous méritez le bonheur. Valorisez-vous et focalisez-vous sur vous. Voilà le message des guides pour ce soir qui devait vous parvenir. Si la guidance vous parle, peut vous aider. En tout cas, n'hésitez pas dans ce cas à la partager, à mettre un petit pouce en haut, un petit commentaire. Et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui faire écouter cette guidance. Je vous remercie sincèrement. Je vous souhaite une belle nuit, une douce nuit. Et je vous dis à demain pour le live. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Moi, je crois en vous. Alors, croyez en vous. Recentrez-vous. À très bientôt.